L'Empire contre-attaque. Allez, c'est parti pour la belle avec ce premier pod qui tombe pas loin. On est chaud. On est chaud, on est chaud. Allez, 10 mètres. Oh là là. Ah, ça part très très mal. Ça part très très mal cette histoire. Il faut assurer. Le premier point, c'est le point qui signifie généralement la victoire. Il faut l'assurer. Malheureusement, ils sont déjà bientôt à mi-chemin pour remporter ce premier point pour décrocher l'avantage au score. Et bien sûr, là, ils sont en train de couver leur pod comme pas possible. C'est Shaco. Attends, non, on l'a récupéré. Bien joué avec le bouclier. Bien joué. Attends, grenade. On va rigoler. Voilà, grenade. Boum, il est mort. Il est mort. Par contre, là, attention. On va arrêter de faire le con 30 secondes. Ils l'ont récupéré. Re-grenade. Ah, je vais me faire prendre. Dommage. Dommage. En attendant, je crois que c'est eux qui l'ont. C'est eux qui l'ont, attention. On va grenader un petit peu le terrain. Ah, il me faudrait vraiment un blaster lourd. Parce que là, ça commence un petit peu à me faire défaut. Les mecs, ils ont tous pris ça. Donc, définitivement, ils ont pris l'avantage. Ils ont pris l'avantage sur le 1 contre 1. Et c'est vraiment embêtant. Voilà. Voilà. Mais sur le 1 contre 1, ça risque d'être assez violent. Allez. Ah tiens. Voilà. Donc là, initialement, le mec, je l'avais attaqué avant qu'il ne m'attaque. Le mec est en blaster lourd. Ça fait aucun cadeau cette histoire. Voilà, lui il est mort. Et je crois que c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que les mecs ont très vite compris l'astuce. Voilà, donc là, double meurtre je crois, à vérifier. Double meurtre à la grenade. Attention ici, là on a un bon petit spot. On avait un bon spot là, ça c'est dommage. On avait un bon truc. Peut-être revenir là-dessus pour assurer le point. Allez. Voilà, bah toi t'as rien compris déjà. Tu t'excuses. Tu t'excuses pendant que je balance la grenade du plaisir. Voilà. Ah putain, il va la reprendre. Il va la reprendre cet enfoiré. Allez, butez-le. Ok, grenade. Ok. Ah les mecs, ils arrivent en force. Excuse-moi, Bertrand, mais là, j'ai des choses à faire. Attends, grenade. Parce que le mec, il a eu mal, il a eu bobo. Voilà. Et de deux. Tiens, ça leur apprendra. Ok, lance-roquette. Tiens, je crois que c'est ma première mort en lance-roquette. Bah, c'est pas mal, c'est valide. Par contre, là, ils l'ont récupéré. Allez, 1-1. 1-1, rien n'est perdu à 6 minutes. On est à fond dessus. Ah, c'est un peu mort, là. Donc là, on ouvre le chemin, mais ils sont vraiment en train de pondre. Blaster lourd. Mais ils popent tous ici, là. C'est... Attends. Le mec il m'attend, non il m'attend pas. Il me tend un piège. It's a trap. Comme dirait l'amiral Akbar. Dans des temps plus obscurs. Oh c'est mort. On se replie. Y'a rien à se replier là, je suis mort. Ouais blaster en lourd, encore une fois. T'as les mecs qui te font des longs shoots hyper précis au blaster lourd. Donc ça c'est pas mal. Il y a de l'idée. Mais je crois que ça va très vite devenir awkward tout ça. Et que finalement il va y avoir une petite mise à jour là. Petite mise à jour. Parce que ça va très vite ne plus être marrant.
Surtout que, bon, dans la majorité des films, que tu vois que ça. Hein. T'as que des blasters lourds. Hein. C'est vrai que c'est très rare le moment où tu vois un petit blaster. Allez, c'est comme dans ce film, dans le film, tu vois cette map. Hein. Tu vois des mecs, je me souviens, dans le premier film, tu vois des mecs sur la planète en train de chercher des pods qui tombent un petit peu partout. Et c'est et ça, c'est cool. Alors, en attendant, j'ai fait le kill à la grenade, mais ça suffit pas. Il faut aller le chercher. Attends, parce que là, il y a Jean-Michel. Jean-Michel Jar Jar Binks, bien entendu, qui vient de m'abattre. Triste réalité. Est-ce qu'on l'a pris? On l'a pas pris, là. On l'a pas pris, on va se faire mener 3-1 dans la gueule. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est vraiment pas cool. Attends. Le mec, il était en train de niquer mon pote. Littéralement. Allez. Ah non, c'est mort. C'est mort 3-1, il faudrait vraiment sécuriser pour revenir sur 3-2. Et après, éventuellement... éventuellement la prolongation, ce serait bien. Ce serait bien tout ça. Oh oui, oh bah ça tombe là. Tac 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 tac. Allez, on est dessus. On sécure. Et merde. Ok. Bon, y a pas de souci. Non, en fait, j'enrage juste parce que les mecs jouent tous à l'arme lourde. C'est plus possible. Donc, point négatif au niveau des armes. Les mecs ont très bien compris ce qu'il fallait jouer. Avec les atouts. Voilà. Attends. Ah, attends, non, c'est pas possible. C'est pas possible, tu bourres la grenade maintenant. Ouais, je sais, je suis décadent, j'ai trop joué à Red Orchestra 2, mais il y a un moment où je tente, ça passe pas malheureusement. OK, d'accord. OK, les mecs qui sont dans le... Attends, une grenade, est-ce que ça fera l'affaire? Attends. Là, je vise bien. Non. Il n'y avait plus personne. Voilà. Mais non, ça devient compliqué. Wow. Grenade. Ouais, c'est dur. Ok, on est reparti, évidemment. Le mec, il lui reste un PV. Ah, il est fier. Et on va le chercher. Je m'en fous. On va le chercher. Putain, ils sont trop nombreux, mesdames et messieurs. Ça ne veut rien dire. Tu vas en chercher un, hein, il y en a 25 qui tombent sur la tronche. Oh là 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 là. Cette branlée monumentale. Ça dépasse l'entendement. Ouais. Ah, c'est pitoyable. Cette partie est complètement pitoyable. On se fait défoncer de toutes parts. Je ne saisis pas très bien l'affaire, monsieur, dame. Mais là, c'est la défaite, 5-1. C'est un massacre.